Hey, salut à tous. Donc on se trouve donc sur GTA 5 pour vous présenter la X80 Proto qui est arrivée hier. Donc je suis désolé, je voulais faire la vidéo plus tôt, j'ai eu des problèmes de santé, du coup je n'ai pas pu. Donc voilà, donc la X80 Proto, donc apparemment ça serait la plus rapide de GTA 5 maintenant. Donc je l'ai acheté, donc elle est sur le site Voyage et Transpose Legendary Motorsport. Donc elle est là, donc c'est elle est à 2 700 000 et du coup elle est en fait elle est plus chère, ouais, elle est d'ailleurs. Enfin bon, bref, maintenant c'est la plus chère. Donc voilà. Donc du coup on va aller la customiser. C'est parti. Elle est vraiment très stylée. Il y a franchement, j'adore. Allez, c'est parti. C'est de la terre assez sympa. Allez. Here for the magic touch. Alors, quelle option on peut faire dessus? Donc le blindage, je vais toujours le mettre à fond. Les freins, pareil, on va mettre à fond. Le pare-choc, c'est pareil, je vais tout mettre. Non, je suis con. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est pas mal? Ça c'est pas mal, c'est pour sortir la couleur principale. Le moteur, donc le moteur, on va le mettre à fond. L'échappement. Et bah, ceux-là sont mieux. Explosif, le klaxon, on s'en fiche. L'éclairage, bon, les phares, on va les mettre. Les néons, donc je vais mettre le support néon avant, arrière, côté. La couleur des néons, bon, après on va voir selon la couleur de la voiture. Prévention, ben, la plaque noire, c'est mieux. Selon la couleur, je vais la mettre. Vendre, non, je la vends pas, non, je viens de l'acheter. Bas de caisse, non, on va mettre en noir. L'aileron, alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Waouh, pas mal. Ah, stylé. Oh, énorme, pas mal. Aileron course, franchement, ça déboîte. Suspension, donc je vais mettre suspension de compétition. Transmission, allez, transmission de course, soyons fous. Le turbo, le turbo, tout. Rouf. Bon, alors, c'est toujours là le choix, c'est toujours les mêmes. À moins qu'ils ont rajouté des jantes, je vais voir ça. Alors les roues, du coup, qu'est-ce qu'il y a comme roues? Bon, c'est comme d'habitude de toute façon. Faire le tour vite fait. Ouais, les jantes d'origine, elles sont pas mal, mais bon. Merde. Jantes chromées. Ouais, on va la mettre comme ça. On va mettre ça. Bon, sur le principe de cette vidéo, c'est vraiment montrer ce que les possibilités qu'il y a dessus pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté. La couleur des jantes, non. Non, j'ai n'importe quoi. Peinture, la peinture. Oula, c'est nouveau ça. Couleur principale, croûte. Waouh, avec des boîtes. Je vais la mettre en couleur de croûte. Allez hop, en noir. Couleur secondaire, allez, on va mettre en mat. Alors, qu'est-ce qu'il y a de... qu'est-ce qui pourrait bien aller avec Verline? Non, bon, on va aller voir dans métallisé. Qu'est-ce qu'il y a qui peut aller en métallisé? Je la verrais bien en blanc, avec du blanc. Je sais vraiment pas trop comment. Oh, on va la mettre en. On va la mettre en blanc. On va la mettre en blanc. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Ah merde, j'ai fait une connerie. Métallisé. Bah mince, bah il est au blanc. Voilà, blanc gris ou blanc glacier. Moi je dis blanc glacier. Allez hop, blanc glacier, c'est parti. Couleur finition, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, l'intérieur. Bah, c'est la première super sportive auquel on peut faire ça, il me semble. On va remettre
Et ben on va remettre du blanc glacier comme j'ai mis. Couleur détail, ça doit être dehors. Couleur détail. Ah, la ligne, d'accord, la petite ligne. C'est du détail. Blanc. Oh là là. Blanc gris, blanc glacier. Bon, après, il y a peu de différence. Emblème du crew, moi je peux pas le mettre, de toute façon ça va rien donner. L'aileron, on l'a fait. Suspension, transmission, j'ai fait. Du coup, les fenêtres, j'ai mis. Roux. Type de roue, on l'a fait. Non, par contre, j'ai pas fait la couleur des jantes. Ah oui, on peut pas, je suis con. On va mettre. Oh, c'est pas grave. Amélioration, on va mettre apparence des pneus. Le custom, c'est quand même mieux. Fumer des pneus. Bon, je vais mettre en noir quand même. Voilà, oui, un petit détail, les néons, donc l'éclairage. Éclairage, voilà. Kit néon, donc la couleur des néons. Ben moi je trouve qu'elle est vraiment sympa, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Ce que vous en pensez quoi. Ben voilà, il me semble que j'oublie rien, enfin même de toute façon le principe. Voilà, bon bah c'est bon. Allez hop, c'est parti, on va aller tester ça. À deux nuits, bon tant pis, c'est pas grave. Voilà, allez c'est parti. Alors ça donne quoi? Elle est vraiment bien, franchement. Alors, elle est boîte ou elle est boîte peau? Ah là, la pêche. Elle a trop la pêche. Le bruit il est top, franchement. Moi je vous dis, c'est à acheter quand on a des sous, bien sûr. Ce GTA, ça c'est une autre histoire. Voilà, bon, c'est pas la peine. On va s'arrêter là. Donc, moi je vous dis, du coup, désolé du coup pour les vidéos que j'aurais dû mettre beaucoup de vidéos, mais j'ai eu des problèmes. Du coup, bah, voilà. Du coup, je m'en excuse. Voilà, donc je vais quand même vous présenter la X80 Proto. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettre des commentaires si vous voulez qu'on fasse des activités, plusieurs activités, différentes activités, est-ce qu'on fait toujours des activités, enfin que des courses, des wallride, des trucs comme ça. Donc dites dans les commentaires, voilà. Et donc moi je vais vous laisser là-dessus et moi je vous dis bye bye.